Donc voilà, j'ai créé ce cours et vous remarquez qu'il y a trois tables en haut, trois onglets, le flux, les élèves et à propos. Donc le flux, c'est la page courante, c'est une sorte de blog, ça ressemble à Facebook si vous voulez, où vous allez pouvoir transmettre des annonces, donc elles viendront l'une au-dessus de l'autre. Vous pourrez élaborer des devoirs pour vos auditeurs, créer des questions, une simple question avec une réponse simple, c'est beaucoup plus petit qu'un devoir, et ou bien réutiliser une ancienne publication. Vous remarquerez que Classroom, ce n'est pas un outil de formation à distance très complexe ou compliqué, c'est juste, c'est surtout un outil pour communiquer avec vos auditeurs. Et partager les documents avec eux, c'est surtout ça. Ils pourront vous poser des questions, vous pouvez y répondre, vous pourrez transmettre des documents, des images, des vidéos, etc. Mais si vous avez l'habitude ou vous êtes allé à des formations concernant Moodle ou d'autres plateformes, les autres plateformes sont beaucoup plus riches. Mais à mon avis, ce type de plateforme est largement suffisant. Hein? Ça, c'est un avis personnel. Surtout pour une classe, quand on est en présentiel ou on est en hybride ou qu'on est juste en train de permettre à nos auditeurs qui s'absentent souvent de pouvoir accéder à nos documents, à nos supports de cours, à nos exercices, aux solutions d'exercices, ils ont envie de poser une question. Donc, à mon avis, c'est, en tout cas, moi, ça fait 2-3 ans que j'utilise cet outil et mes auditeurs, je crois qu'ils sont satisfaits et moi-même, je trouve que c'est largement suffisant. Même quand j'enseigne avec des auditeurs d'un autre centre, je les vois de temps en temps en présentiel et le reste du temps avec cet outil, ça semble suffisant. Donc je continue les différentes parties de la classroom, donc le flux, à propos. Donc dans l'à propos, c'est là où vous décrivez votre cours. Hein. Vous décrivez votre cours ici en modifiant l'en-tête, vous mettez une description si vous avez envie, le lieu du cours si c'est un complément d'un lieu d'un cours en présentiel, et surtout ici, dans Ajouter les supports de cours, ici vous pourrez ajouter autant de supports que vous voulez, soit par attachement, donc vous faites un attachement et vous sélectionnez des fichiers depuis votre ordinateur que vous transmettez, soit depuis ce que je vous disais dans l'introduction, depuis votre drive. Votre drive, c'est le bureau dans le cloud que vous pourrez partager sur toutes vos machines. Donc, je vous rappelle que je parlerai de cette partie dans une autre présentation, hein, la partie Google Drive, cloud et partage de documents. Mais vous remarquerez que vous aurez, si vous utilisez le drive au lieu d'utiliser vos propres ordinateurs, vos propres desktops, vos propres disques durs, ces documents, ils seront disponibles partout là où vous êtes. Il suffit de vous installer devant un ordinateur, avoir une connexion Internet et vous aurez accès à tous vos documents. Moi, j'ai mes documents qui datent parfois depuis 15 ans. Je ne les ai jamais perdus. Bon, on reviendra là-dessus plus tard. Donc ici, vous pouvez importer des documents depuis votre disque local, ou bien vous pourrez associer des vidéos YouTube, ou bien vous pourrez faire des liens vers des sites web, d'accord? Parce que vous êtes en train de faire une certaine présentation. Là, vous pourrez en mettre autant que vous voulez. Hein. Vous pourrez poster et déposer autant de documents que vous voulez. Pour l'invitation des élèves, donc ici, comme je vous le disais, il y a deux techniques. La première, c'est d'utiliser ce code. Vous avez remarqué que ce code qui est là, ce code, vous pourrez le donner, l'annoncer à tous ceux qui sont intéressés. Vous leur dites, poursuivre mon cours, il suffit de désigner, de
de déposer ce code. Hein. Dans mon cas, PUE, PWG. Donc, tous ceux qui ont ce code pourront venir suivre ce cours. Donc, je l'ai dit publiquement ici, vous êtes tous les bienvenus à ce cours si vous en avez envie ou si vous avez envie de vous améliorer dans l'utilisation des outils tels que celui-là. Ou bien, vous pouvez inviter des élèves et ici, vous pouvez mettre leurs emails. Bien entendu, vous allez me dire, bah, si j'ai 100 élèves dans ma classe, je ne vais pas m'amuser à faire 100 emails. Effectivement, donc je vous propose de vous montrer, dans la suite de cette vidéo, comment récupérer une mailing list, une liste de mails qui correspondent à vos classes à l'ISAE EDU-LB. Par exemple, je suis l'enseignant du cours NSY 103, je vais aller récupérer la liste des emails de tous mes auditeurs en NSY 103 que je viendrai mettre ici.